Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une review sur Cléo Denal version Ghouls Who. Je commence par vous présenter la boîte. Le logo est en haut à droite. Ensuite, le logo texte est sur le côté droit. On a son nom Cléo Denal ici. On a un dessin en 3D de Cléo Denal avec sa tenue Ghouls Who. Et ici, on a la promo du DVD qui va bientôt sortir en France. Le fond de la boîte représente donc le lycée. On peut voir les casiers. La poupée est donc sur le côté gauche. On a ses accessoires. Ici. On a sa brosse. Et son socle noir ici, au fond à droite. Et là, on a sa carte. Sur le haut, on a son nom Cléo Denail. Derrière, on a le logo Monster High en haut. Là, on a encore le logo avec le nom indiqué Ghoul Who, ou la fête des ghouls. On a Claudine, Draculaura, Frankenstein et Cléo Denail en 3D avec leur tenue basique. Et ici, on a le test. Que penses-tu de ce costume cool effrayant que je porte dans le film? Voilà. Maintenant, je vais vous dépoxer Cléo Denail. Donc la voici déboxée. Avant de la présenter, je vous présente mes deux premières ghouls rouges. La première que j'ai eue, c'est Frankie, ma préférée dans cette collection. Voilà. Accompagnée de sa carte, d'un chaudron, d'un sac pour récupérer des bonbons. Voilà. La deuxième que j'ai eue, c'est Draculaura. Alors, elle a des grandes ailes de chauve-souris. Elle a des superbes cheveux. Elle a aussi un masque. Elle a sa petite carte et elle a un petit squelette. Avec un petit rubon. Elle a aussi le panier à friandises. Voilà. Je vais commencer par le visage de Cléo. Elle a une coupe au carré avec des cheveux bleus et noirs. Elle a deux nattes qui se rejoignent. Et en fait, derrière, ça fait comme si elle avait un peu de. C'était rebombé, un peu de volume en fait. Ses cheveux sont très brillants. Elle a des mèches argentées. Alors, en ce qui concerne son maquillage, on a plusieurs couleurs. On a du doré, du mauve et du bleu. Voilà. Elle a toujours son petit tatouage. Tatouage là, son petit diamant. Son rouge à lèvres est doré aussi. Ses boucles d'oreilles ressemblent à un serpent. Et l'autre, c'est une boucle d'oreille plus simple. Ensuite, elle a un ras-le-cou doré qui représente aussi un serpent. Elle a deux bracelets, un à chaque poignet. Elle a comme une sorte de petite cape, mais c'est des petites bandelettes. Et c'est en fait accroché à son collier.
Donc les bandelettes sont noires et il y a du doré dessus. En ce qui concerne sa robe, elle est longue. Elle se termine par un voile noir transparent. On a des bandelettes aussi bleues. Sinon, sa robe est dorée. Avec des traits bleus qui brillent. Enfin, c'est brillant. Ensuite, en ce qui concerne ses chaussures, elles sont transparentes. Elles sont bleues et dorées avec des traces noires, des traits noirs qui représentent des pyramides imbriquées. En ce qui concerne ses accessoires, elle a un masque doré qu'elle peut tenir à la main. Ensuite, on a son panier à friandises avec le crâne de la momie. Ensuite, on a un réception avec des serpents, deux serpents. Là, elle a une boisson violette et le récipient est doré et toujours bleu. On a la louche qui va avec. On a un petit gobelet avec une paille, la boisson violette. Ensuite, sa carte la représente en 3D. Et derrière, on a les quatre dans leur tenue Ghouls. Sans oublier la brosse qui est noire et le socle noir. Voici les trois avec leur masque. Donc Frankie, Dracula et Cléo. J'espère que cette review vous a plu. Je ferai bientôt une nouvelle review Monster High. Je vous dis à bientôt. Maintenant, c'est l'heure des dédicaces. La première est pour Monster High Freaky 13. Alors, je te remercie pour tous tes commentaires, ta chaîne est super, donc n'hésitez pas à aller aussi sur sa chaîne. Ma deuxième dédicace est pour Cathy Perry MH, je te remercie aussi pour tous tes commentaires. Et ma dernière dédicace est pour Fanoufou, qui a une super chaîne de review, donc allez vite voir ses vidéos. Il a une superbe collection Monster High. Et il a d'autres collections comme les Novistars, donc allez voir vite sa chaîne, c'est super. Je vous dis à bientôt pour une prochaine review Monster High. Salut!